En visite de travail au Cameroun, le commissaire de l'Union africaine en charge de l'éducation, des sciences et technologies et de l'innovation, le professeur Mohamed Bellocine, s'est rendu le 13 mai 2022 sur le site du futur siège du rectorat de l'université panafricaine en construction à Yaoundé. Cet édifice est construit sur l'initiative du président de la République Paul Biya, conformément aux clauses inhérentes à l'accord de siège signé à Yaoundé le 5 avril 2018 entre l'Union africaine et le ministère des Relations extérieures du Cameroun. Le coût du projet est estimé à 8,333 milliards de francs CFA. Je suis venu au Cameroun pour faire le point un petit peu sur l'état de fonctionnement et l'état d'avancement de tous les projets concernant l'université panafricaine. Et comme vous le savez, l'université panafricaine, le siège de l'université panafricaine, c'est-à-dire le rectorat de l'université panafricaine, est hébergé ici au Cameroun, à Yaoundé. Et cet endroit où nous nous trouvons maintenant avait déjà été sélectionné pour abriter le futur siège donc du rectorat, et nous sommes venus avec monsieur le ministre d'État visiter le chantier qui est très actif comme vous le voyez. Mise sur pied en 2012 à l'initiative des chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine, l'Université panafricaine est un réseau universitaire continental constitué de 5 instituts répartis dans 5 régions africaines et dont la mission est de fournir un enseignement de 3e cycle de qualité orienté vers la réalisation d'une Afrique prospère, intégrée et pacifique. Pour évaluer le fonctionnement du volet gouvernance et intégration régionale basé à Yaoundé, le professeur Mohamed Bellocine a eu une séance de travail avec les responsables de l'université panafricaine, les étudiants et les responsables de l'université de Yaoundé 2, hôte de l'Institut de gouvernance des sciences humaines et sociales de l'université panafricaine. Nous continuerons à œuvrer en tant que commission en faveur d'une économie pacifique et dynamique et donner des opportunités à chaque enfant africain afin qu'à la fin de ses études, il trouve un endroit où travailler, vivre et se maintenir. A place to hope. La visite de courtoisie rendue au ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou, a permis de dresser le bilan de la coopération entre le Cameroun et l'université panafricaine pour la construction d'une Afrique plus forte et prospère. Cette intégration des jeunes qui vont étudier ensemble pendant plusieurs années permet véritablement de renforcer l'idée d'appartenance à un continent commun, permet de renforcer aussi les idées de paix, permet de renforcer les idées d'intégration du continent. En 10 ans, l'université panafricaine a déjà formé plus de 1500 maîtrisards et plus de 400 doctorants issus de 50 pays africains. Un état de fait qui reflète la dimension panafricaine de cette institution.